Le jeune homme a 33 ans. Il vit à Paris, il est célibataire. Alors, en quoi la vie d'un jeune homme de 33 ans qui se prénomme Armand est-elle intéressante? Il faut que j'arrête de fumer, il faut que je me mette au sport, il faut que je trouve un vrai métier parce que là, comme activité dans la vie, j'enchaîne des petits boulots plus ou moins intéressants. Plutôt moins que plus, hein, pour être tout à fait exact. Il faut que vraiment quelque chose se passe. Hein. Je suis désolé, là, ça va? Non, ouais, ça va. Et vous? Elle s'appelle Amélie. C'est une jolie fille. Enfin, je crois. Quel âge? 27 ans et demi. Et dans la vie, elle cherche. Si tu m'entends, c'est que ça marche. J'ai réussi à pénétrer ta pensée. Je voulais te faire un signe. Je m'appelle Benjamin et je suis l'ami d'Armand. Nous avons passé 5 années aux Beaux-Arts ensemble. Est-ce que j'aimais Armand? Est-ce que j'avais envie d'avoir un enfant de lui? Est-ce que j'avais envie d'avoir un enfant? Est-ce que j'étais capable d'aimer quelqu'un? Ça va? Non. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Je me dis que la vie que nous menons ensemble, elle est heureuse. Que nous formons un couple. Pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais qu'elle est ma plus chère amie, il était encore temps.